Vite, tu as 5 secondes pour liker cette vidéo et tu pourras débloquer tous ces V-Bucks sur ton compte Fortnite. Donc pour débloquer tes V-Bucks gratuitement, dépêche-toi de liker cette vidéo. Yo les potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Et aujourd'hui les potes, vraiment grosse vidéo d'information parce que vous allez pouvoir récupérer 1000 V-Bucks sur votre compte Fortnite. Donc bien sûr les gars, ce n'est pas une blague. Donc les gars, vous allez pouvoir récupérer 10€ de V-Bucks sur votre compte Fortnite gratuitement. Du coup restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est vraiment très important. Mais avant que cette vidéo commence, vous pouvez gagner des petits cadeaux sur cette vidéo. Du coup les gars, pour participer c'est vraiment très simple les gars. Vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications. Notification les gars, c'est vraiment très très simple. Dès que vous avez fait cela les potes, il faudra mettre un énorme like sur cette vidéo, donc mettre un gros pouce bleu. Et dès que vous avez liké les gars, vous commentez votre pseudo de Fortnite en commentaire. Et dès que vous avez commenté les gars, bien sûr vous pouvez mettre plusieurs fois. Moi les gars, vous aurez plus de chances de gagner. Donc imaginez les gars, si vous mettez 10 fois, bah vous aurez 10 fois plus de chances qu'une autre personne qui a mis qu'une seule fois de gagner. Donc franchement les gars, c'est hyper simple. Et au moins les gars, vous pourrez gagner un petit cadeau de la boutique Fortnite. Donc c'est toujours cool pour les personnes qui n'auraient pas de skin. Donc bah n'hésitez pas les potes, ça fait plaisir. Au moins tout le monde peut participer. Et du coup les gars, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui voudraient justement avoir des petits cadeaux gratuitement, je vous ai déjà cité les conditions, c'est de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter votre pseudo de Fortnite. Donc franchement les gars, c'est hyper simple. Et du coup les gars, nous on va directement passer donc un peu au sujet pour un peu parler du coup de tout ce qu'on va parler dans cette vidéo. Du coup les gars, aujourd'hui comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature, on va parler un petit peu de tout ce qui va se passer sur Fortnite. Et surtout les gars, de V-Bucks qui va être justement gratuit sur Fortnite. Et aussi un petit peu de tout ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc vous inquiétez pas les gars, restez bien actif, je vous ai vraiment trouvé des trucs de malade dans cette vidéo. Du coup restez bien jusqu'à la fin, c'est vraiment très important. Au moins les gars, vous pourrez débloquer vos V-Bucks gratuitement, donc ça fait toujours plaisir. Du coup les gars, on va directement passer à la première information. Dans les fichiers du jeu, on a pu trouver pas mal de choses assez marrantes et dont les gars, du coup quelque chose que je vais vous montrer dans quelques instants, qui se trouve les gars justement dans les forêts de Weeping Woods. Et justement les gars, du coup dans ces forêts on peut retrouver des champignons, mais il y a un champignon les gars totalement bizarre et voilà, qui est animé. Donc pour ça les gars, je vous montre directement ça à l'écran. Ça c'est gars, dans les fichiers du jeu on a pu trouver ça. Et en gros les gars, c'est un petit champignon qui fait le floss. Et tout simplement les gars, on peut le retrouver en forêt. Du coup les gars, il y a des moments où il bouge plus et il y a des moments les gars où on le voit marcher à côté des arbres. Donc ça, il faut un petit peu ouvrir ses yeux et regarder à terre parce qu'il est tout petit. Et tout simplement les gars, ce champignon est en train de bouger. Du coup ça c'est l'animation qu'on peut retrouver directement en jeu. Et tout simplement les gars, vous pouvez le retrouver donc pas loin des maisons de Weeping Woods. Donc franchement les gars, c'est hyper simple. Vous avez juste à les gars à la Weeping Woods. Et je pense les gars qu'il y aura un petit défi à faire avec ce champignon, et sûrement si on le récupère, je pense qu'il y aura quelques petites récompenses à récupérer gratuitement. Donc ça pour l'instant bien sûr les gars, que ce n'est que du coup des théories, mais les gars ce qui est sûr c'est qu'on a trouvé ça dans les fichiers du jeu, donc c'est quand même assez marrant. Après les potes, on va directement passer du coup à une autre information, parce que vu les potes, il n'y a pas non plus que ça qu'on a pu trouver directement sur Fortnite. On a aussi les gars Hypex et tout simplement Klein, du coup deux liqueurs américains qui ont réussi les gars à faire un truc de malade que je vais directement les gars vous expliquer. Donc c'est vraiment très simple les potes, ils ont réussi à trouver les gars un truc pour se jeter des V-Bucks gratuitement et totalement, voilà, franchement les gars, ce n'est pas le sujet de la vidéo hein, les gars, je tiens à le dire. C'est juste que je voulais vous montrer parce que c'est juste énorme de pouvoir faire ça. Mais après les gars, je vais vous montrer du coup pour avoir 1000 V-Bucks, ça y a pas de problème. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Donc de toute façon les gars, vous voyez à l'écran, en gros il y a Hypex et Klein qui ont réussi les gars à trouver un truc pour du coup les gars mettre des V-Bucks sur leur compte Fortnite. Donc je ne sais pas du tout comment ils ont fait ça. Et tout simplement comme vous pouvez voir, en mettant des chiffres dans un petit truc, donc simplement dans une petite console, on peut directement les gars du coup mettre des V-Bucks sur le compte Fortnite. Et moi je trouve ça comme assez marrant. Donc même les gars, si ça pense ce n'est pas vrai, parce que je pense que ça va pas être un vrai truc où on peut vraiment avoir des vrais V-Bucks, je pense que c'est juste un affichage. Mais ça va les gars, si c'est un vrai truc, ça pourrait être juste ouf, parce que bah les gars là vraiment, avoir comme ça des V-Bucks en infini, on peut vraiment en mettre autant qu'on veut, ça pourrait être super cool. Donc bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez au niveau de tout ça. Mais là les gars, pour l'instant ça envoie du lourd au niveau de tout ça. Ensuite les potes, on va directement passer bien sûr à d'autres informations, parce que les gars là je voulais vraiment vous tenir au courant au niveau de ce petit bug de V-Buck, et aussi les gars sur le petit champignon que je vous ai montré avant. Mais là les potes, je vais vous donner sur les gars le skin le plus rare du jeu, parce que vu les gars de base c'était le skin Raycon Expert, mais comme il est ressorti les gars, ce petit skin il est ressorti dans la boutique, je pense que vous devez le savoir, il y a quelques jours, donc il y a 2 ou 3 jours. Et les gars, ce petit skin, pour ceux qui se demanderaient, tout le monde l'a acheté, donc vraiment tout le monde, même moi les gars je l'ai acheté. Et puis les potes, du coup les gars, ce petit skin n'est plus du tout rare, donc c'était vraiment le skin le plus rare du jeu, il était pas ressorti depuis 900 jours. Et là les potes, du coup maintenant on a un autre skin qui est le plus rare du jeu. Et du coup les gars, je vais directement vous expliquer du coup quel est ce skin. Et les gars, du coup
coup comment on a pu le trouver dans les fichiers du jeu. Et bah c'est très simple les gars, c'est un skin qui est pas ressorti depuis le 3 septembre 2018. Ça fait du coup les gars 635 jours qui n'est pas ressorti dans la boutique d'objets. Et ce skin les gars c'est le skin hippie. Donc voilà ce gars, vous le voyez directement à l'écran. Du coup les gars, moi c'est comme ça que je l'appelle, mais je ne sais pas du tout son nom exact. Et ça les gars, ce petit skin il a été directement retrouvé dans les fichiers du jeu, parce que les gars il y a presque personne qui se rappelait de ce skin. Et même les gars, je pense que Fortnite l'ont oublié, parce que les gars il ne fait pas, voilà, il n'a pas fait son retour depuis énormément de temps, presque maintenant les gars 2 ans. Donc c'est quand même beaucoup, vraiment c'est quand même assez énorme, Donc là on va dire à peu près de plus de 1 an et demi. Donc franchement les gars, ça fait plaisir justement de voir que du coup c'est ce skin qui est le plus rare du jeu. Après les gars, il est pas non plus très très joli, c'est comme le skin Recon Expert, il était pas non plus très joli, mais c'est toujours un skin les gars qui est hyper rare. Et franchement les gars, ça fait plaisir. Donc là les potes, on va directement passer du coup à un autre sujet de cette vidéo, qui est du coup les gars de la saison 3 du chapitre 2. Et bien les gars, j'avais prévu de vous en parler, parce que tout le monde, on a un petit trailer qui avait été révélé, et on a aussi les gars pas mal d'autres choses qui ont été révélées sur la saison 3 du chapitre 2, et je voulais vraiment vous en parler. Donc je vous montre directement le petit trailer à l'écran. Du coup comme vous pouvez le voir les gars, donc, ce petit trailer est vraiment très simple. On peut directement retrouver du coup pas mal de choses, dont du coup les gars un skin qui est en train de creuser une tombe pour du coup les gars le skin Miaus Clé. Donc c'est les gars le petit skin qui voilà qui fait ça les gars, c'est le skin ingénieur. Après les gars, on peut voir que du coup il est dans la caserne du Bidas qui construit comme un genre de skin. Et ensuite les gars, on peut directement retrouver aussi pas mal d'autres choses, dont du coup les gars un skin qui plonge, et là les potes du coup un skin Aquaman qui est du coup là avec tous les autres skins passe de combat. Donc ce petit trailer les gars, pour l'instant il est assez stylé, et franchement bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez bien ou pas ce petit trailer. Mais franchement les gars, il a été très bien réalisé. Après les gars, il est très court, mais c'est toujours cool justement de savoir qu'il y a des petits trailers comme ça qui tournent sur Fortnite. Après les gars, comme vous devez le savoir, on va avoir aussi le pass de combat de Fortnite qui va arriver. Et du coup les gars, je voulais vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'on va avoir dans ce pass de combat, parce que oui les potes, on a pu les gars avoir un petit concept juste trop stylé qui serait vraiment juste énorme pour qu'il arrive. Du coup les gars, ce petit concept je vous le montre à l'écran. Il a été créé les gars par Pin, et cette personne les gars a vraiment un talent, c'est juste ouf les gars, parce que regardez les gars le camouflage, ce camouflage d'armes les gars, s'il pourrait sortir avec du coup les gars des poissons dedans, et ça serrait comme ça tout transparent, comme si que notre arme était en verre et que du coup dedans on avait comme un genre de mini aquarium, ça pourrait être juste trop stylé. Donc bah, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais franchement les gars, moi, je trouverais ça juste énorme s'il pourrait sortir dans la boutique ou même directement dans le pass de combat. Bah moi les gars, directement je le prendrais, parce que franchement les potes, il est juste trop stylé, donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ensuite les potes, on va directement parler un peu de tout ce qui est au niveau toujours de la saison 3 du chapitre 2, et on va arriver tout doucement à voilà tout au sujet de cette vidéo qui est du coup sur les V-Bucks. Parce que oui les potes, on a pu avoir les gars du coup la saison qui a été encore repoussée donc de 1 semaine, et qui est du coup arrive, voilà que là maintenant les gars elle arrive le 11 juin. Et du coup les potes, c'est dans vraiment pas trop longtemps, et du coup c'est pour ça qu'il faut rester actif sur Fortnite. Mais pour les personnes qui ne le sauraient pas, la petite saison avait déjà été repoussée de 1 mois et demi. Donc c'est quand même beaucoup vraiment les gars, 1 mois et demi plus 1 semaine plus tout le temps comme ça du temps, c'est quand même beaucoup. Et du coup pour ceux qui se demanderaient, et bah les potes, on a toujours comme ça du temps qui est rajouté, et dans les fichiers du jeu les gars on a trouvé une récompense qui a été offerte à toute la communauté. Donc comme vous devez le savoir les gars, dans les fichiers du jeu c'est écrit en anglais, et du coup les gars on a trouvé une ligne de code où c'était écrit les gars free rewards. Et ça va rester dans un dossier où justement du coup c'est pour des excuses de Fortnite. Du coup les gars, logiquement avant la fin de cette saison, donc on aura du coup des récompenses gratuites qu'on va pouvoir récupérer. Du coup les gars, j'ai trouvé plusieurs donc théories qu'on pourrait, du coup vous inquiétez pas les gars, je vais directement vous expliquer. Donc déjà les potes, soit on pourra avoir du coup les petits difficultés fort gratuitement sur Fortnite, donc on pourrait les avoir du coup avec des petits skins en plus, donc des petites variantes en plus. Donc de toute façon pour ceux qui se demanderaient pas pour ceux qui se demanderaient les gars, on a absolument un petit concept qui est tourné, et du coup les gars ce concept est assez stylé. Donc de toute façon les gars, je vous montre directement à l'écran. Et du coup les gars, comme vous pouvez le voir, en gros overtime ça veut dire les gars ultime effort. Et tout simplement les gars, comme vous pouvez le voir, on peut retrouver le skin banane en version jaune et en version un peu plus sombre. Donc de toute façon les gars, c'est toujours les mêmes couleurs, à part que justement les gars les couleurs sont inversées. Et on peut voir que du coup les gars, c'est comme assez stylé ce petit concept. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Mais franchement les gars, moi, je trouve ça comme assez énorme. Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc déjà les potes, on pourrait avoir ça, ou soit les gars on pourrait récupérer une somme des V-Bucks. Du coup les gars, je pense que vous devez le savoir, mais dès qu'on a un petit bug à une mise à jour, Fortnite nous offre facilement 1000 V-Bucks. Ils nous offrent vraiment beaucoup voilà de récompenses en ce moment. Et puis voilà, Fortnite ils sont pas non plus, c'est pas non plus trop des radins si vous préférez. Et du coup les gars, là on pourrait soit avoir du coup 1000 V-Bucks les gars, une compensation pour nous montrer que justement voilà Fortnite sont désolés, justement que la saison a duré trop longtemps, en sachant qu'il y a eu énormément de temps qu'ils ont été justement entre guillemets passés. Donc comme là les gars avec le 1 mois et demi en plus, après
après les gars là, encore une semaine en plus. Là je pense qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui vont s'énerver. Et je pense que Fortnite les gars vont faire un petit geste, surtout que ça a été trouvé dans les fichiers du jeu qu'on devrait avoir les gars du coup une récompense gratuite avant la fin de la saison 2 du chapitre 2, pour du coup les gars le début de la saison 3 du chapitre 2. Donc franchement les gars, c'est comme un petit geste que Fortnite nous fait, et moi je trouve ça juste super. Donc bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais vraiment les gars, c'est super cool de leur part justement que Fortnite vous nous offrir une petite récompense pour nous montrer justement qu'ils ont pas oublié que du coup on était là, et que bah du coup on n'était pas non plus très content que Fortnite nous ont fait ça. Parce que oui les gars, quand même voilà, repoussé plus de un mois et demi voilà la saison, donc presque deux mois en tout hein, voilà, avec toutes les avec tous les moments où ils nous ont repoussé la saison, c'était quand même beaucoup. Donc franchement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même assez normal. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi les potes, je vous laisse là-dessus et je vous dis bye.